Defourcom, vidéo, audio, web, event. Mais je demande en vain quelques moments encore. Le temps m'échappe et fuit. Eh oui, ce temps qui passe si vite. Et il est déjà temps de nous quitter. Mais que de souvenirs. J'ai retiré ma cravate. Je déclare donc ouverte cette 5e biennale de Raison Entreprendre. Vous, entrepreneurs, faire attention à cela. La génération qui vous suit n'a pas le même sens du temps que vous. C'est vrai que l'intervention, par exemple, de M. Serre aujourd'hui est une intervention très positive. Et je pense que c'est des interventions qui redonnent le moral aux chefs d'entreprise. Et aujourd'hui, ils en ont besoin. On a été un peu bousculés dans nos croyances, dans nos visions. Ça nous remet un peu sur terre, ça nous fait du bien. Et pour l'instant, ça commence fort et on a des intervenants de grande qualité. Frappé par cette somme d'énergie positive investie au bénéfice des entrepreneurs que nous accompagnons, nous pensons que bien avant la fin de la décennie, nous serons présents dans une centaine de territoires. Tous nos membres et lauréats qui nous aident, donc on est une belle équipe, il y a un super état d'esprit à Raison Entreprendre. Je trouve que c'est un beau signal que de réunir des gens qui donnent toute leur vie personnelle pour leurs entreprises. Raison Entreprendre depuis 25 ans a ainsi contribué à créer 66 000 emplois. La Savoie s'offre sous ses meilleurs atours, donc bienvenue en Savoie à tous les entrepreneurs. Je suis sûr que la Savoie a dû payer très cher pour avoir un temps comme celui-là. Et en fait, il y a un lien évident avec les thématiques qui sont développées par le réseau Entreprendre. Il faut se réveiller. La biennale, c'est terminé. Mais c'est terminé, mais on va se revoir très vite. Bah bien sûr, en Vendée, en 2014. On compte sur vous. À bientôt. Au revoir, Pau. Defourcom, vidéo, audio, web, event.